Dans la société, les animaux sont au service de l'homme sous plusieurs formes. Dès lors, leur alimentation et entretien s'imposent aux utilisateurs et leur maltraitance est condamnable aussi bien par la législation que par la religion. Une ONG britannique engagée dans la défense des animaux a organisé un atelier. Ils vont sortir avec des productions qui vont aider les autres imams, les autres prêtres qui sont dans nos zones d'intervention à avoir un texte qui compile l'ensemble des références en matière de bien-être des équidés, l'ensemble des références qui viennent de la Bible, qui viennent du Coran, qui viennent des traditions religieuses, qui permettront à ces religieux d'argumenter pour influer sur le comportement des propriétaires et utilisateurs. Entre autres objectifs de la rencontre est d'obtenir un argumentaire religieux de sensibilisation à grande échelle sur les prescriptions du Coran et de la Bible. Il y a beaucoup de versets du Coran, beaucoup de propos du prophète, n'est-ce pas, qui impliquent que nous devons bien traiter les animaux, nous devons avoir la compassion avec les animaux. Donc Brooke nous donne l'occasion de systématiser ces références-là et d'en faire un document de sensibilisation qui pourra être distribué à tous les imams du Sénégal, à tous les maîtres coraniques, à tous les prédicateurs. À voir ce que l'animal peut nous apporter, qu'est-ce qu'on peut gagner. Mais on oublie que nous avons à entretenir cet animal, à le considérer comme, je ne veux pas dire forcément comme le prochain, parce que l'animal n'est pas l'homme, mais un animal qui nous est utile. Nous avons à prêter une attention particulière. Au cours d'un atelier, un exposé sur la vie du cheval, du mulet et de l'âne a été fait et a ressorti le rôle dans l'agriculture, le transport, la culture, entre autres, mais aussi obligation pour tout un chacun de protéger les animaux au même titre que tous les êtres humains.